Donc ça, du coup, c'est good. Maintenant, bah faut que j'aille récupérer des missions. Allons de suite là-bas. Attends, j'ai pas sélectionné le truc. Putain de bordel de chasse à cul. Hop. Et hop. Bon, très bien. Ça avance, ça avance. Quelques petites missions annexes. Ça avance bien. Qu'est-ce qu'il me fait? Il a pété un câble. Vas-y, je sors le balai, la flemme. Ça s'appelle, ça dans le jargon sorcier, on appelle ça une grosse flemme. Pour cendre, piétiner sans vergogne notre mode de vie. Est-ce que tout va bien, madame Olivier, madame Olivier. Et non, tout ne va pas bien. Hyacinthe. Les gouriens de serpents cendres ont envahi les alentours du château de Salgat. En plus de troubler notre tranquillité, ils perturbent nos activités commerciales. Alors qu'ils sont enfin sur le point de s'en aller, voilà que Sylvanus Selwyn a débarqué. Sylvanus Selwyn? Le chef des Vauriens. M'est avis que si quelqu'un se débarrassait de Selwyn, les autres serpents cendres finiraient par partir. Mais Selwyn est un sorcier doué. Je ne suis pas en mesure de m'en occuper moi-même. Croyez-moi, j'aimerais en être capable. Je ne sais plus quoi faire. Je peux m'en occuper, moi. C'est qui ce mec? Sylvanus Selwyn? Je pensais que Victor Rockwood était à la tête des serpents cendres. Selwyn est l'un des seconds de Rockwood. Il n'est pas aussi terrifiant que Théophilus Harlow, mais il n'en reste pas moins une menace. Hmm. Et il est où ce château? Où est le château de Salgat? Le château de Salgat se trouve près de la côte sud. Prenez la direction du sud-ouest. Intéressant. Que font-ils de si terrible? Mec, c'est des serpents cendres. Déjà de base, ils ne devraient même pas exister. Pourquoi les serpents cendres sont-ils si dangereux? Ce ne sont pas de simples escrocs, ni de simples brigands, qui eux-mêmes sont déjà bien nuisibles. Ils n'arrêtent pas de tourmenter la pauvre Bella Navarro. Elle leur a tout donné et pourtant, ils continuent de la menacer. Elle était prête à retourner chez sa famille en Italie. Elle a presque tout perdu. Rien ne les arrête. Hmm. Je peux peut-être aider. Je peux m'occuper de Selwyn pour vous. Juste ciel non, je ne demanderai jamais à un élève d'affronter Selwyn. Mais j'offrirai une jolie récompense à qui l'éliminera. N'hésitez pas à faire passer le mot. T'inquiète, la récompense elle est pour moi. Retournez voir. C'est vrai que je l'ai... C'est vrai que c'était un des ennemis connus que j'ai défoncé hors live. Du coup, je suis désolé, j'ai pas mis le fight. Tout va bien, je leur ai éclaté la gueule. Ça y est, je me suis occupé de Selwyn. Vous avez vaincu Selwyn? Donc je suis désolé. Par la barbe de Merlin, un élève a éliminé un des bras droits de Rockwood. J'imagine que la récompense vous revient. Vous la méritez amplement. Grave. Il m'en faudra un peu plus. Non. C'est un plaisir d'avoir protégé Crackcroft des serpents cendres. Grâce à vous, oh, ces voleurs... Je le fais parce que je ne l'ai pas fait en live, parce que je ne l'ai pas enregistré. Nous vous accueillerons tous ni rien. Donc, plaisir. Voilà. C'est un endroit si agréable. Gants tête de serpent cendre. Oh ouais, let's go. Des gants. Ouhou. Tiens, t'auras pas froid cet hiver. Merci. Alors. Next. On va enchaîner les missions. On va les enchaîner. Je ferai la quête avec Sébastien. Avec Sébastien et sa sœur. En dernier. Bonjour madame. Tout va bien? Depuis que Rococo s'est enfui, je suis inquiète. C'est mon nifleur de compagnie. Rococo? Ça va, c'est qu'un nifleur? C'est pas bien grave alors. Ce n'est qu'un nifleur. Pour certains, il ne s'agit que d'un nifleur, mais pour moi, il est spécial. C'est un excellent compagnon, je l'ai depuis des années. Pendant notre balade quotidienne, l'autre jour, au sud d'ici, on est tombé sur la cachette d'Henrietta. Oh non. Apparemment, Henrietta était une recluse paranoïaque. Elle a rempli son château de pièges pour empêcher d'éventuels voleurs de lui dérober ses biens. Alors qu'on s'en approchait, le soleil a fait briller un objet à travers une fenêtre. Et avant que je puisse réagir, Rococo était parti. Je me fais un sang d'encre. Mais je ne m'approcherai pas de cette maison. Et encore moins des serpents cendres qui rôdent dans les parages.
Dites-moi plus sur Henrietta, je viens d'aller dans son petit château, bien entendu, Pourquoi mais... Pourquoi Henrietta ressentait-elle le besoin de protéger sa maison comme elle l'a fait ? Henrietta était une baronne qui a fait un bon mariage. Plus d'un, d'ailleurs. Son immense richesse l'a condamnée à une vie... de méfiance et de solitude. Plus elle était riche, plus elle avait peur de perdre ses richesses. C'est pour ça que la cachette est remplie de pièges. Même sa famille n'a pas voulu essayer d'y entrer pour récupérer sa fortune. Tu m'étonnes. Pourquoi n'allez-vous pas chercher Rococo vous-même ? La cachette d'Henrietta est déjà dangereuse. Mais avec les serpents cendres qui rôdent autour, je tiens beaucoup à Rococo. Mais je tiens encore plus à la vie. Je vais essayer de... Ah putain, bon bah il veut falloir y retourner. C'est vraiment très gentil. Mais ne vous approchez pas de la cachette. C'est trop dangereux. La personne qui le trouvera dans la cachette sera bien récompensée. Et les trésors d'Henrietta seront à sa disposition. Cela ne devrait pas la déranger. Tu m'étonnes. Que proposez-vous à la vente ? Bon, et t'as quoi en stock, toi ? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Ah, bah t'es une fringueuse ! Cette cachette m'intrigue. Je devrais peut-être enquêter et voir si je trouve Rococo. T'inquiète, tu l'as déjà vu. On n'a jamais assez de produits à vendre. C'est ce que je dis toujours. Tu l'as déjà vu, t'inquiète pas pour ça, mon gars. Allez, vends-moi tout ça. Hop. Maintenant, surtout les verts et les bleus, hop, je regarde même plus. En vrai, des fois, il y a quelques violets qui peuvent valoir le coup. Ah bah super, je peux me mettre cette écharpe. Merci pour votre visite. Alors, escousse de Rococo, super. Alors, petite écharpe. Voilà. Bien. Attends, en vrai, je vais aller voir d'abord là. Je vais aller récupérer la mission qu'il y a là-bas. Et ensuite, je retournerai dans cette putain de bâtisse de la mort. Sauver Rococo. Rococo si Freddy. Voilà, elle était facile celle-là. Je m'en excuse. On descend en piqué, comme Nelson. Excusez-moi, c'est bien moi que vous appeliez ? Tout à fait. Je m'appelle Marianne Moffett. Ravie. En ce moment, j'ai bien de la peine à trouver un Dirico en particulier. Il y a un dragon qui me passait au-dessus, on est d'accord. Je connais bien l'espèce. Ah oui, un oiseau magique qui peut disparaître s'il pressent un danger. Ces créatures sont vraiment étranges, n'est-ce pas ? Saviez-vous que les moldus les appellent des dodos ? Quel nom amusant ! Mais... J'ai du souci d'accord. Grand Dirico albino, surnommé Guineira. Il s'agit d'une légende locale, et les braconniers rêvent de mettre la main dessus. Si j'en avais la responsabilité, je la traiterais comme une reine, et je pourrais utiliser ses plumes pour mes créations de mode. C'est toujours mieux que les braconniers, oui, c'est... Sinon, je pourrais la garder, hein. J'ai l'impression qu'il lui faut un refuge. Il se trouve que j'en connais un. L'endroit parfait, c'est chez moi. Attendez un peu que mes voisins la voient. Et puis, avec ses incroyables plumes, je serai à la pointe de la mode. Je ne parviens pas à la sauver. Et j'ai peur que les Dirico ne me fassent pas confiance, car j'ai passé du temps près de leur repère. M'étonne. Pourquoi ne pas tenter de sauver tous les Dirico ? Pourquoi ne se préoccuper que de Guineira et pas des autres Dirico ? Guineira est spéciale. Avec son incroyable plumage, elle intéresse beaucoup les braconniers. Ils sont prêts à tout pour l'attraper. Les autres Dirico ne semblent pas avoir de mal à échapper aux braconniers. Et à quoi ressemble un repère de Dirico ? Bon, même si j'en ai déjà vu. Il se trouve près de la rive, en haut d'un promontoire rocheux. Vous ne pourrez pas le manquer. De nombreux Dirico s'y prélassent. Si prélasse, d'accord, je vais y aller. Blanc, alors. Oh, merci. Oh, ces magnifiques plumes. Et elle serait en sécurité. Oui. Une dernière chose. Bien sûr. Elle semble passer ses journées cachées. Je ne la vois que la nuit. J'espère que vous pourrez la sauver. Vous risquez de devoir courir. Parfois, je me demande si elle considère les courses-poursuites comme un jeu.
Bon, ok. Bah oui, on les appelle des dodos, c'est normal. Ah, donc du coup, les Diricos sont des dodos. D'accord, bon bah en fait, j'imagine les dodos ne sont pas disparus. Elle n'apparaît que la nuit, apparemment. Bon, je vais me rapprocher un max. Attends, est-ce que je peux pas me TP au lieu d'y aller comme un con? Ouais, je peux me TP. Je peux me TP. Et je vais direct attendre la nuit, comme ça, je serai tranquille. Voilà. Waiting for the night. Je me bois une petite bière pour me donner du courage et on y va. Ouh, ballon, attendez. Oh, il y a une plateforme d'atterrissage là-haut. Je reconnais ça. Qu'est-ce qui gueule comme ça? Hop là! En plus, c'était les derniers ballons qu'il fallait que j'éclate. Très bien. Ah bah non, c'est pas une plateforme d'atterrissage ça. Ok. Ça doit être le repère de Dirico dont Miss Moffett m'a parlé. Où est Guinera? Ah bah elle est là. Direct. Allez. Je l'ai eu. Je dois en informer Miss Moffett. Bon, bah c'était plus simple. Hein. Easy peasy. Lemon squeezy. Pour le moment, je fais que du sauvetage d'animaux. C'est passionnant. Je me demande si ça me plairait de vivre. Oh, bonjour. Vous avez pu retrouver Gwyn... Miss Moffett. J'ai attrapé Guinera. C'est incroyable! Elle vous a donné du fil à retordre? Ah, oh, ce n'est pas difficile quand on sait comment s'y prendre. Bah ouais. Oh, ne soyez pas si modeste. Eh bien, je peux la récupérer? Montrez-vous. Je préfère la garder. En fait, je pense qu'elle serait plus en sécurité avec moi. Mais c'était mon idée de la sauver! C'est moi qui suis tombée amoureuse de son magnifique plumage. Oh, quelle toupée! Et que suis-je censée faire? Sans ses plumes, je ne peux pas finir mes dernières créations. Espèce c'est de con. Cervelle d'oiseau, j'espère qu'elle vous piquera les yeux. Bah... A plus! Je la voulais dans ma collection. Voilà, ça c'est fait, et maintenant je dois retourner dans cet endroit de ces morts. Ce serait plus facile par où, on s'en fout. Bon bah comme ça je vais avoir... Je vais avoir des animaux à remettre, hein, dans la salle sur demande. Oui. Quoi un drapeau ici? Ah c'est d'accord, c'est... Sert à rien. En fait ça aurait peut-être été plus rapide de l'autre côté, mais bon. Pour maintenant... Pour maintenant qu'on y est... Ça, c'est un truc que je kifferais faire. Aller à pleine vitesse sur un balai au-dessus de l'eau. Ah, ça serait le... Ce doit être le château dans le... Des serpents cendres. Je ferais mieux de les contourner. Ou je peux peut-être les affronter. Ouais, non, t'emmerdes pas, mec. T'emmerdes pas. Donc ici... Bon, on connaît l'endroit. Ça va. Ça fait juste 3 fois que j'y vais. J'espère que les serpents cendres n'ont pas fait de mal à Rococo. Mais non, Rococo, il va très bien, t'inquiète. Rococo Sifredi, il va très bien.
On connaît le chemin. On est déjà tout vu. On est bien. Encore des pièces. Rococo a dû passer par là. Je devrais suivre les pièces pour retrouver Sonifleur. Arresto momentum. Voilà. Maintenant que j'ai l'astuce. Les pièces ont dû être perdues par le nifleur de Miss Coffee. Ah bah tiens, ah, il est solo lui. Si quelqu'un cherche les ennuis, je l'attends. Tiens. Oh, je les ai tous eus. Je vais pouvoir trouver Rococo. Maintenant que je suis là, autant capturer le nifleur. Voilà. Rococo. Allez, viens le petit petit petit. Petit 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 petit. Voilà. Tout va bien. Je ferai mieux de retourner voir Miss Coffee. Tranquille. Bon, bah voilà. Juste une meuf. Je vais pas laisser de chance. Je l'ai désintégrée. Je vais balancer une bombe nucléaire à la gueule. J'ai fait Hiroshima sur Nagasaki. Fallait que j'aille où déjà pour... Attends. La rescousse de Rococo. Oh là, comme ça au moins, c'est marqué. Et c'est là. C'est là. C'est la lande. L'endroit semble être assez agréable. Oui. Mon pauvre Rococo. Mais t'inquiète, il est là ton Rococo. Miss Coffee, j'ai trouvé votre nifleur. Oh bon sang, vraiment ? Oh, merci. Vous avez beaucoup de courage. Je ne savais plus quoi faire. Comment va mon cher Rococo ? Puis-je le récupérer ? Encore l'autre, elle était super vaniteuse et tout. Bon, celle-là, je veux bien lui redonner, mais en échange, parce que j'ai quand même dû affronter des serpents cendres, hein. Ils étaient extrêmement nombreux. Ça n'a pas été facile d'affronter des serpents cendres et de trouver un nifleur dans cette maison. Je mérite une récompense. Oh, bien sûr, vous avez fait tellement. Ce n'était pas rien. Je ferai tout pour mon précieux petit ange. Oh, mon intrépide petit explorateur, mon avide petit bonhomme. J'ai hâte de le ramener à la maison. Merci encore pour ce que vous avez fait. Désormais, je tiendrai Rococo en laisse dès que nous sortirons. Ouais, vaut mieux. Il vaut mieux. Sinon, moi, je le récupère. Après, si tu me demandes de le récupérer, après, je le garde. Hein. Faut pas pousser mémé dans l'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs. Hein. Dans l'ombre de l'espoir. Et ouais, la carte, il n'y avait rien d'autre. Parfait. Allez, retour à Felcroft. Allez voir Sébastien et sa sœur. Marlène, sa sœur. J'ai mal au bide. J'ai mal au bide, wesh. Alors lui, est-ce qu'il... J'ai des trucs à vendre, est-ce qu'il peut me les racheter? C'est un plaisir. Ravi de vous voir également. Comment puis-je vous aider? Qu'avez-vous en stock? Que proposez-vous à la vente? Que cherchez-vous aujourd'hui? Oh, rien de particulier. Tiens, moi je te revends ça. Et ça, j'attendrai. N'hésitez pas à revenir. De toute façon, il va faire que je retourne sur la salle, dans la salle sur demande. Alors, Sébastien. Émission secondaire avant l'émission principale, bien entendu. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur? Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Un sacrifice obscur. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Felcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Felcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien,
Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. Je n'aurai pas le temps. Le sort de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. On va y arriver. Nous devons juste amener Anne dans les catacombes et découvrir comment faire un sacrifice obscur. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. C'est clair. Il pourrait nous défoncer au Finistère. Est-ce que ton oncle pourrait en informer le ministère s'il découvrait ce qu'on faisait? Même s'il l'apprenait, ça m'étonnerait qu'il aille au ministère. Je crois qu'il ne les a pas quittés en très bons termes. Il refuse d'en parler, mais je pense que son aversion pour la magie noire a quelque chose à voir avec sa carrière. Anne pense qu'une fois, il s'est résolu à combattre le feu par le feu, pour ainsi dire, et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir. Enfin, c'est ce qu'elle pense avoir entendu. Après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu, il a rapidement quitté le ministère. Donc, ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère pour utilisation de magie noire. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. À bientôt. Ok, bro. Bah, à bientôt. À tout de suite, parce que tu vas te TP dans une autre zone. Presque précisément ici, en fait. Parce que je dois te retrouver là. Et bah, on va accomplir une quête ensemble. Voilà. Ah, du coup, c'est accomplir le sacrifice. Eh ben, let's go apprendre Avada Kedavra. Vaincre un ennemi avec la magie ancienne. Maintenir deux ennemis en l'air. Bon, bah écoute. Magie ancienne. Tac. Magie ancienne, voilà. Arrête au moment, tiens, je t'ai renvoyé ton arme. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenir deux ennemis. Oh, tant pis. Attends, deux secondes. Oh, le bâtard, il s'est TP. Tant pis sur Aïe. Tiens, bouge ton arbalète, connard. Et bouffe-toi le mur. Bon, au moins, ça fait deux petits exploits de duel sur trois, c'est pas dégueu. Je les tuerai tous. Les humains partent en courant quand ils voient. Je l'avais déjà activé cette plateforme. Ouais, je l'ai déjà activé. Ouais, je l'ai déjà activé. Alors, il est en bas. Bien sûr, faut que je l'attende. I'm waiting for you, Sébastien. Cette côte n'a rien pour elle. C'est clair, bro. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrock qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niamh Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrock. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. C'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Mec, je la connais pas, ta sœur. Je la connais pas.
Mais pour toi, je la sauverai, mec. T'es mon best bro. T'es un bro, Seb. Depuis le début, t'es là avec moi. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas le choix. Bon, essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y vite, avant de nous faire repérer. Fais attention. J'ai vu des larbins de Ranrock s'éloigner du chemin, juste devant nous. Je me demande pourquoi. Faut aller par là. Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin. Mais elle a été abandonnée quand Ranrock s'est emparé de la côte. Je peux pas y aller. Je ne peux pas y aller en volant. Merde, je me suis trompé de sort. Tiens, bouffe ta flèche. Eh bro, So long. Non, ça marche pas. So long. Tous les fidèles de Ranrock méritent le même sort. En pleine tronche. Attends, je mine. Eh ho. On dit que c'est un mauvais présage. Tout le monde ne le pense pas. Mais non. Je le sais bien. D'accord. Je préfère faire la conversation. Je ne veux pas gravir cette montagne en silence. Ouah, c'est sympa, les sombrales. Faut arrêter. Des créatures incomprises. Allez. C'est parti. C'est pas rassurant. Je suis pas très très rassuré là. Je parie que le nid de Sombral n'est pas loin. Confringo. Épreuve de Merlin ici. Ouais. Et voilà les Sombrales. Je vais leur foutre la paix pour le moment. Tuez tous les intrus. Les voilà. Allons-y. Attends, nous devons d'abord trouver un plan. J'en ai assez des plans. Ok. On y va. Confringo. Je ne pas. Tiens, bosse pour nous à distance, toi. Merde. Et toi, souffre un coup. Merde. Allez, maudit. Allez, ça maudit un max. Tiens, va t'éclater. Un ennemi avec Mandragore. Ok, let's go. Voilà, ça c'est fait. Tiens, bouffe. Je t'avais pas vu, toi. Voilà. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Bien d'accord. Qu'est-ce qui t'a pris? J'imaginais des gobelins morts. Ça aurait pu nous coûter la vie. Mais on a survécu. Oui. On dirait que les fidèles de Ranrock ont suivi ce chemin. Continuons d'avancer. Il en a marre, Sébastien. Il en a complètement marre.
vengeance de Ranrock sera terrible. Tout ce qui est fait d'argent Goblin. Révélio. Qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce Goblin ? Non. Ces notions de propriété sont ridicules. J'avoue. Alors qu'un contrat bien signé là, avec une bonne signature en bas de la page. Il y a quelqu'un ici. Et bon petit dégât de chute. J'ai pas envie de voir mon kill count hein, depuis que j'ai commencé le jeu, parce que là il doit être extrêmement haut quand même. J'ai 15 ans, je suis multimeurtrier là. C'est un sorcier mort. Ranrock a raison. Merde, du coup, le mec qui souffre il bosse pour moi. Bon, c'est con, mais c'est pas grave. Touche pas à mon pote. Tiens, bouffe le sol, toi. C'est sûrement ici. Sébastien, attends. Attendre ? Pourquoi ? Oh, pourquoi tant de prudence tout à coup ? Écoute-moi, je sais que t'es en colère et que t'es contrarié. Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit. Hein ? Ton ami, le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose. Trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrock que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrock était au courant de l'existence des gardiens et fouillait tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Bon, bon. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrock en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. Je suis d'accord. Ouais. Un humain. Je ne m'arrêterai pas à... Tous les fidèles de Ranrock méritent le même sort. On lui a maravé sa petite gueule. C'est pas cette grotte-là, c'est l'autre. Putain, maintenant on marave des gueules comme on marave des mers. Tunnel de la tour. On marave des nerfs, non. Enfin, on marave des gueules comme on marave des gueules, quoi. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire ce que je dis. Faites pas gaffe. Tout va bien. Charmant. Des araignées. Tout est normal. Bien sûr. Voilà. Alors je sais pas depuis quand Expelliarmus tue, mais au moins c'est là. Oh saloperie. Impero. Confringo. Tac, quand on est à deux, on marave. Putain, ça marave. Le jeu est encore plus facile à deux, quoi. Voilà, j'avais pas vu la grosse. Merde. Tiens, souffre un coup, toi. Allez, en plein vol. C'est presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. N'est-ce pas ? Saloperie.
Où es-tu? Sors de là. C'est bon. Elle est décédée. Elle a été atteinte de décès. Ce qui par conséquent l'a tuée. Confringo. Je sais, je suis médecin. Ce coffre était à deux doigts de tomber. Énorme table décorée. Je pense qu'il en faudrait au moins trois. Parfait. Eh ben, la salle sur demande va être encore plus décorée que... Pas que chez moi. Les araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. On doit être plus ragoûtant qu'une paire de gobelins. Tu m'étonnes, il y a plus de matière. Confringo. Ouais, même pas le temps d'arriver dans le fight. Je vais mieux dormir ce soir. C'est lui qui les a fait péter. Voilà. Voilà. Sont pénibles ces petites bêtes, non? Petite, ouvre les yeux. Pourquoi un escalier mènerait-il ici? Quel intérêt? À mon avis, personne n'est venu ici depuis une éternité. Confringo! Vu la taille des araignées et la taille des toiles, on est d'accord. J'éclate les œufs, bien entendu. Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Wow. Un peu chargé, si tu veux mon avis. Moi j'aime bien. Saloperie. Hop là. Souffre un coup. Ramène-toi là. Ah, faut que je mette des choux mordeurs. Oh merde! Traverser la grotte ne doit pas être la seule épreuve. Nous devrions peut-être chercher d'autres runes. Petit coffre, petite écharpe, ok. J'ai déjà vu des symboles runiques similaires. Oui, moi aussi, c'est même moi qui les active, connard! Que je trouve ces coffres par chance ou par instinct? Ah, l'arbre de Noël! Bah justement, je me disais quand est-ce que j'allais l'avoir, tiens. Merde. Rébellion. Alors, il en manque. Où sont les autres? Ah. Dépêchons-nous de sortir d'ici. Voilà. J'avoir pas vu le troisième. Rodvigelveld. Et pas assez de pognon. On va se retrouver face à une tarot. Eh ben non. Pas une tarantula. Bah sympa mec, merci. Trop sympa. Atteindre le troll au visage avec son propre gourmand, torturer un ennemi en feu. Ok. T'inquiète, ça va être... ça va le faire. Non, c'est pas ça.
Bon, c'est pas grave. Aïe. Bon, le troll, il commence à... Il m'emmerde. Sébastien. Il est en feu mais il veut pas donc bon attends. Tiens boum. Bouffez au moins ça. Il y a un boss pour nous. Souffre un coup. Comme ça, le temps que tu bosses pour nous, on peut te marrer. Voilà. Rien de tel qu'un troll en colère pour souder une amitié. Ouais, hop, une bonne petite crotte de nez de troll là. Merveilleux. Bon, ici. Ah, ici je fais comment? Je passe par là. Non. C'est pas là-haut. C'est par ici. Vraiment mis le bazar. Il y a des débris partout. Bien vu. Bien vu l'aveugle. Ah, je connais ça. Ça je connais ça. Oh, on s'en foutait un petit peu, mais bon. Ça met du beurre dans les épinards. Faut que je claque un réparo, peut-être. Réparo. Oh. Ce n'était pas ça. Je te le fais pas dire. Oh, mais les gars, sérieusement, le BTP dans le domaine, dans le monde des sorciers, c'est ce qu'il y a de plus peinard, je trouve. Damn les gens. Quel plaisir ce fut d'aider mon père après toutes ces années. Le fait d'entendre à nouveau sa voix, je ne pourrais expliquer combien cela m'a manqué. J'avoue que je ne m'attendais pas à la réaction du gardien. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi ne font-ils rien alors qu'ils ont le pouvoir d'accomplir tant de choses? Qui est le professeur Rackham pour me dire ce que je dois faire ou non avec les talents qui sont les miens? Dire qu'ils se permettent de juger mon travail sans rien comprendre de mes exploits. Je garde tout de même espoir. La directrice a eu l'air de comprendre où je voulais en venir. Le moment venu, c'est elle que j'irai voir. Elle pourra et voudra peut-être m'aider. En attendant, je dois poursuivre mon œuvre sans personne. Si ce n'est que temporaire, je finirai par trouver quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un qui sera en mesure d'appréhender le don que j'ai reçu et la nécessité d'en faire usage. Mieux vaut cacher mes découvertes pour le moment. Un jour, je pourrai les partager avec quelqu'un comme moi. Un extrait de journal. Mmh. Isidora était ici. Revelio. Intéressant ça. Bon, je dois grimper où? Bah, je dois grimper là, tout simplement. Guardium Leviosa. Oups. Hop là, voilà. Par ici, on a quoi? On a fer, je pense. Hein. Revelio. Que de la Vingelveld. Non, un petit peu de Thunas. Ok. Je suis à bout de souffle après toutes ces marches. Mais la vue, elle vaut vraiment le coup. J'avoue. On va peut-être faire le tour de l'autre côté. Hein. Attention, ça va être pareil. Seul le pédiment pour le passer. Non, je suis un con. Je suis un demeuré. Je suis un demeuré, je l'admets, j'avoue. J'avoue tout. Elle est même pas restée en place cette putain de caisse.
Ah, lui, il est pas con, il a pas sauté au moins. Du coup, il y a eu un petit regard en biais en disant bro. Bro, seriously? Bah, je suis censé faire comment là du coup? Ah, bah, putain, j'ai pas. Oh là là. Aveuglito. Le mec, il est aveugle quoi. Il a des yeux, mais il s'en sert pas. Extrait du journal. Je me sens chaque jour plus capable. Mon objectif n'a jamais été aussi clair. Je sais que ce que je fais est indispensable. Le nombre d'âmes que j'ai pu aider augmente de jour en jour. Tant de douleurs. Et je me suis rendu compte que cette magie si particulière valide mes efforts. Chaque fois que je respire cette brume, même légèrement, je me sens devenir plus habile. On me récompense pour mon courage. On me récompense car je fais bon usage de cette magie. Cependant, je crains de devoir trouver un moyen de conserver ce que je ne peux exploiter directement. Je ne mesure pas encore totalement l'étendue de ce pouvoir et je préfère en rien laisser au hasard. Et je préfère ne rien laisser au hasard. J'ai une idée. Il n'est pas sans risque, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Quelle nouvelle ? Cet extrait de journal est assez inquiétant. Elle a pété un câble, la meuf. Après, ce qu'elle fait, c'est pas dénué de sens. Hein. Il doit y avoir un étage au-dessus. C'est pas... Elle veut pas faire ça méchamment, hein, mais je pense que... Bombarda. À faire ça... Presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. À faire ça, je pense qu'elle pourra péter un câble. Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Mais le triptyque nous a menés jusqu'ici. Ouais. Ouais. Déverrouiller la porte. Revelio. Ah, des chauves pourries. Il y a des chauves pourries un peu partout, là. Un autre symbole runique. J'ai l'impression de parler couramment la langue runique, maintenant. C'est trop drôle, toi. Bombarda. Alors. Bon, va falloir faire ça rapidement. Voilà. Tranquille. C'est peut-être une autre zone créée par Isidora. Révèle. Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Le dernier extrait. Comment je peux faire une telle erreur? La directrice ne m'apportera pas son aide. J'ai tenté de lui expliquer. Comme tous les autres, elle refuse de voir la possibilité qui s'ouvre à moi. Et est clair que je ne peux compter sur personne. Mais je suis plus puissante que jamais. Et je sais que je le dois au travail que j'accomplis. Je ne laisserai pas ma magie se tanir, comme le font les gardiens. Ce que je peux mépriser, ce nom ridicule. Comme si garder cette puissance pour eux les rendait dignes d'éloges. J'avoue être de moins en moins sûr de trouver un jour un congénère avec qui partager mes travaux. Si ce n'est pas le cas, je me consolerai en lui laissant au moins une piste à remonter. Une piste menant au savoir. Aidez ma loup ! Afin de peut-être accomplir ce dont j'ai été incapable, guérir le monde. Putain, si je c'est... sais grâce aux souvenirs que j'ai vus que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ces souvenirs. Si Sébastien est au courant de cette magie, s'il est au courant que c'est possible qu'il puisse guérir sa sœur comme ça, ça va être... Rebellio. Ça va être Chaudax. Ça va être Chaudax. Ah bah, il y a un miroir, hop. Pour le retour, ça c'est bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les dernières toiles du Ah, super. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, on y verra peut-être plus clair. Revelio. Allez. Retour à Poudlard. Retour à la crypte. La crypto-monnaie. Bonjour.
pense aux aventures que ce triptyque nous aura fait vivre. Moi, je pense que si j'aide pas, si je découvre pas cette magie, en fait, enfin, si je la découvre, mais que j'aide pas Sébastien à guérir sa sœur avec cette magie, si je me retrouve à la maîtriser, vas-y, place-la. Je crois que je suis dans la merde. Une autre pancine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Je me demande... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va voir. Oh putain, c'est les souvenirs d'Isidora. Oh merde. Père, je ne pourrai pas ramener mon frère, mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora. Nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Merde. Isidora. Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Merci. Ça a marché ? Oui, ça a marché. Évidemment, c'est de l'argent gobelin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie ? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Elle a supprimé la douleur. Oh merde. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne. C'était sûr. Quelque chose cloche, Sébastien. Pourquoi ça ? Tu as bien vu ce qu'elle a fait ? Non, pas les souvenirs, c'est le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montrée, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite, c'était elle. Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais on a trouvé le souvenir. Oui, oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voie. On a vu ce qu'elle pouvait faire. Ce que nous, on peut faire. Mais je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu l'apprennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est... C'est une magie complexe qui peut vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée très prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout ?
Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. S'il te plaît, il faut que tu parles au gardien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne. Pourquoi les gardiens voulaient-ils faire taire Isidora? Pourquoi détruire son portrait? Et qu'est-ce cette histoire? Compliqué. Je vais à la salle sur demande. Oh bon Dieu. Bon Dieu de bon Dieu. J'ai trouvé l'une des foreuses de Ranrock dans une mine le long de la côte. Je compte bien la détruire. J'en ai assez d'essayer de le raisonner. Vous pouvez bien sûr m'accompagner. Mais si je ne vous y vois pas, je vous contacterai à mon retour. J'ai quelque chose pour vous. Lodgok est bien plus en danger qu'il ne le pense. Je ferai mieux de le trouver. Il va se foutre dans la merde. Il va se foutre dans la merde. Et moi avec. Est-ce que je vais y aller quand même? Bien sûr que oui. Je suis un expert pour me foutre dans la merde. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver le monde magique? Je te le demande. Hop, ça ira à la vente. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Fallait que j'aille. Ouais, là. Faut que j'aille récupérer des moustaches. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Tiens. Invocation. Non, il y a le petit bébé. C'est trop niomi. Je vais leur donner à bouffer direct comme ça. Hop, moi ouais, je peux récupérer ta fourrure. Toi je peux te faire bouffer. Toi aussi. Hop. Voilà. Et voilà. Ici. C'est pas les Dirico ici. Alors par contre il va me faire des veaux de lune. Merde, pardon, excusez-moi. Je crois que je l'ai fait peur. Non mais attendez, attendez, c'était un prank. Venez bouffer. Venez bouffer. Venez jouer. Jouez un peu. Hop, ah, je récupère la peau. L'autre voie de lune. Je vais lui donner la bouffe comme ça. C'est con que je puisse pas mettre plus de... Que je puisse pas mettre plus de stations de nourriture. Tu me diras, c'est déjà pas mal. Voilà. Faut que j'aille à la plage libérer le Dirico. Alors.
Guinera, le Dirico. Tac tac. Dirico femelle. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Dirico femelle. Voilà. C'est tout bon. On est bien. Oh, le tout petit. Tiens, donne-moi une de tes plumes. Voilà. Merci mon petit. Allez. On va se taper quelques petites améliorations. Alors ici, bah non, il me manque truc de grappe-corn. Là, c'est fini. Là, plume de jarbeville. Ça, c'est bon. Et il me faut encore des grappe-corn. Ça, veau de lune. Tac. Et tac. On est bien. Ici. Oh, faut avoir de veau de lune. J'y retournerai une prochaine fois. Et là, du coup... Donc là, à la place de mettre explosion 1... On va mettre un petit explosion 3. Si vous le voulez bien. Voilà. Macération, explosion. Ah merde, j'ai double explosion du coup. C'est pas grave. Lui, je vais lui mettre destruction. Voilà. Donc, lacération, destruction, brûlure, explosion, impardonnable et application. Alors là, je fais dégâts sur dégâts. La défense, je m'en contrecarre le coquillard. Mais t'inquiète que l'offensive, là, j'y vais. J'y vais à fond. Ah, je tape dans le fond. Et je dirai pas le reste de cette phrase parce qu'elle est horrible.